Chers habitants de Maripasoula, mes frères, mes sœurs, ceux avec qui j'ai grandi, ceux avec qui j'ai chassé, pêché, ceux avec qui j'ai nagé dans le fleuve pendant des heures et des heures sur des kilomètres. Aujourd'hui, moi, Jean-Marie Pounou, j'ai décidé de me présenter pour un avenir radieux dans notre commune, qui bientôt ne portera plus le nom de commune, mais de mégalopole. J'ai un programme en 5 points. Premier point, la santé. Évidemment, une opération de l'appendicite pour tous. Hein, une opération gratuite, c'est offert, ça c'est cadeau. Ça c'est Jean-Marie Pounou. Ensuite, je vous propose également la construction d'une clinique. Une clinique flambant neuve, une clinique d'excellence où nous pratiquerons des opérations à cœur ouvert, mais également des opérations de chirurgie esthétique afin d'attirer chez nous les plus grandes stars d'Hollywood, les plus grandes stars du monde qui, évidemment, ont toujours besoin de ravalement de façade. Deuxième point, l'urbanisme. Nous avons de l'espace, donc 1 hectare de terre pour tous. Et puisque nous sommes des athlètes à Maripasoula, et je suis bien placé pour le savoir, j'ai été triple médaillé olympique grâce à vous, je propose une piscine pour chacun. Une piscine de 25 mètres, avec 4 couloirs. Ainsi, nous pourrons nous épanouir dans l'esprit et dans le corps. Troisième point maintenant, la culture. Et c'est très important. La culture, car un peuple qui n'est pas cultivé se perd dans la société, dans la mondialisation. Ce que je vous propose, ce sont des musées. Je vous propose le Petit Louvre à Maripasoula. Un musée où nous aurons enfin des expositions de grands peintres, de grands maîtres, de grandes sculptures, et où les artistes de Maripasoula, ou les maîtres de Maripasoula, pourront également exposer, s'exprimer et vendre à l'international. Et ça, c'est avec moi, c'est avec Jean-Marie Pounou. Quatrième point maintenant. Le sport. Je propose le petit stade de France, ici, à Maripasoula. 38 000 places, piste d'athlétisme, terrain de rugby, terrain de football, terrain de basketball, terrain de badminton. Tout cela avec Jean-Marie Pounou. Et puis, cinquième et dernier point, la jeunesse. La jeunesse, l'avenir. Et ben moi, ce que je propose, c'est que l'avenir, ce soit maintenant. Hein? La Guyane forte, c'est maintenant. C'est-à-dire que je veux que les jeunes de Maripasoula s'épanouissent, franchement. Je veux qu'on les prenne en charge, très jeunes, qu'on aide évidemment les familles dans toutes les démarches. Je veux que ces jeunes, évidemment, partent à l'école avec un sandwich. Donc nous allons faire un système de ramassage scolaire. Et dès qu'un enfant monte dans le bus, il aura également son petit colis alimentaire, de sorte que, évidemment, les parents seront soulagés. Hein, c'est du bénéfice pour tous. Donc, nous aurons des beaux gaillards, de très belles, hein, des belles jeunes filles, bien bâties, hein, sac vide, pacacha, bédoubout. Donc, hein, une panse bien pleine, un cerveau bien plein. Ça, c'est un deuxième slogan, ce sera pour une prochaine élection. Mais je vous le donne déjà par avance. Une bourse d'études pour chacun, de 138 000 euros. Ainsi, vous pourrez vous loger, vous habiller et vous nourrir. C'est le moins que l'on puisse faire pour la jeunesse de notre commune. La Guyane forte, c'est maintenant. Atenga fo la Guyane nanaunau. Avec Jean-Marie Pounou. Votez Jean-Marie Pounou et sa suppléante, Sophie Gradel, épouse Pounou. J'ai planté cet arbre quand j'étais petit. À l'âme, on grandit.
dans sa casa. À Mokarchi, à Molari, ici. Et là, moi, tu savais que nous tous ensemble, tu as fait une grande bête pour Marie Passoula. Votez pour moi, Jean-Marie pour nous. À Tanga, pour la Guyane. Non, non, non.